Récemment, le ministre des Affaires étrangères français Le Drian s'est plaint, dans le journal Le Monde, de la présence de la Russie et de la Chine en Afrique. Il s'agit évidemment d'une critique hypocrite de la France qui ne supporte pas de voir l'Afrique lui échapper. En effet, depuis plusieurs jours, un convoi militaire français est bloqué au Burkina Faso, plus précisément dans la ville de Kaya, sans que les médias de l'Hexagone n'en parlent. On vous propose de regarder une vidéo qui a été tournée sur les lieux. Ouais, nous sommes avec vous. La tension entre les manifestants et les forces de l'ordre de sécurité, la tension brûle. Le côté des manifestants s'approche du Giriaza, ils s'approchent du Giriaza, ils s'approchent du Giriaza, ils sont à quelque part du barrière pour affronter l'armée française qui est à l'intérieur du Giriaza. Ils sont à quelque part, ils sont à quelque part, la tension monte, la tension brûle, la tension monte, la tension mouille. Une population, peut-être même des citoyens consciencieux, des citoyens qui sont prêts à se donner. Ils sont en ligne. Les citoyens, nous sommes en direct avec vous. Vous pouvez suivre comment la tension se monte, la tension se brûle entre les manifestants et les forces de l'ordre de sécurité nationale. Regardez comment la tension se monte. La tension se monte. Et pourtant, ils ont donné un ultimatum de 13 heures. Ils nous laissent moins une heure, quelques minutes, pour savoir ce qui va se passer à 13h00 GMT. Regardez comment la tension se monte entre l'armée et les manifestants. Les manifestants se multiplient de plus en plus. Les manifestants, ils s'augmentent de plus en plus. Ils amènent des matériels. Regardez, attention, monte, attention, monte, il s'approche de la barrière où se trouvent les soldats français. Il s'approche, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, regardez, l'attention monte, les manifestants s'approchent à grands pas, ils sont à quelque part du barrière. Regardez où sont les soldats français, là où ils ont passé leur deuxième nuit. C'est à Louda, à 7 km de Kaya. Kaya, chef de la région du centre nord. Kaya se trouve à 100 km de Ouagadougou, plus précisément dans le centre nord. C'est le point focal. C'est ici que tout va s'arrêter. C'est ici que les manifestants vont s'éclamer. Ils réclament des parts sans condition de l'armée française qui se trouve sur les lieux. Regardez comment les manifestants se multiplient. Les manifestants, ils sont venus avec le courage. Ils sont venus sans bazar, ils sont venus pour se manifester, pour montrer leur contentement contre l'armée française, contre la politique française. Ce qui se passe au Burkina Faso, la réalité est là. La population a pris les mains en main pour défendre les frères. Qui sont tombés pour défendre les frères, ils tombent toujours. Ils sont venus pour dire. Ils sont venus à bas la France et il y a toujours des Thomas Sankara, il y a toujours des Bazoumba, ils sont toujours là, ils sont toujours là. Regardez, ils sont obligés. Ah, une distance, pas possible. On n'a vraiment pas besoin d'eux, ils n'ont qu'à rentrer. Depuis quand un Burkina avait dit qu'il avait besoin de l'aide aux Français, on fout le bilan, on veut la paix. C'est inadmissible ce qu'ils font. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux, on n'a vraiment pas besoin de blé ici. Nous sommes des Burkinabés. La population est déclamée. Ils ont dit soit dans leur vie pour que le combat ne bouge pas. Et à l'intérieur du village aussi, il y a quelque chose qui se prépare. Les combats, ils se sont en train de se mobiliser. On ne sait pas là où ils sont partis. Tout se prépare. Il reste à 15 minutes à l'assaut final. Nous sommes toujours là sur le lieu. Observons. Ce n'est pas facile. Les forces de l'ordre aussi essaient de faire le travail. C'est ce qui va se passer. Les frères sont déterminés. Ils sont mobilisés. On est là, on est là, on est là. Depuis 3 jours, depuis 3 jours qu'ils sont là, ils ne veulent plus voir l'armée française traverser les villes du Burkina Faso. Ici c'est là, ici c'est là, ils sont avec vous. Ils sont là. Regardez comment les
frère. Regarde comment la sécurité se bat. Et puis toi, pour qu'un enfant ne se passe pas. Merci, officier de l'ordre et de la sécurité, pour ce maintien, pour ce travail abattu. Depuis trois jours, depuis jeudi, à partir de 10h, ils sont là, ils ont bloqué la voie pour que le convoi ne traverse pas la ville de Kaya. Depuis trois jours, ils sont là, ils sont en train de se mobiliser, ils sont en train de chanter, ils sont en train de danser, ils sont en train de faire la plainte, ils sont en train de... Regardez vous-même, regardez, il nous reste encore quelques heures, une heure, quelques minutes pour lutter. On ne sait pas ce qui va se passer. À 13h, GMT, nous sommes là, nous sommes sur le terrain, nous sommes, écoutez, regardez la réaction de la population et regardez le travail abattu de nos forces de l'ordre et de sécurité. La population qui est sortie, des femmes, des enfants, des femmes enceintes, des vieux, ils sont là pour défendre la patrie, pour défendre l'air. Pour défendre les soldats qui sont tombés, ils disent non à l'armée française. Ils disent non encore à l'armée française. Ils ne sont pas d'accord pour la politique de l'armée française. Ils veulent plus que la France, avec ses soldats, passe encore en Afrique. Ils veulent qu'ils quittent l'Afrique. Ils veulent que l'Afrique reste pour les Africains. Parce que lorsque le convoi français que vous voyez à l'intérieur, quand il passe à 72 heures, ce sont des attaques qui se répètent dans le nord, dans l'ouest, dans le sud, dans le centre nord, dans le Sahel. Donc, aujourd'hui, la population, ils sont mobilisés pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. La population est là, vous pouvez constater. Ils sont en direct depuis l'extérieur. Ils nous écoutent. Vous avez plein de poser. Pourquoi vous êtes là ce matin encore? Nous sommes là pour que la France n'est pas en France. Nous ne sommes pas d'accord avec eux. Vous êtes là depuis combien de jours? Est-ce que vous êtes posé? Parce que nous pourrions faire des. Non, comme le président, comme ça disait, disons, nous, c'est la force, c'est le plaza. Ils sont là, ils sont déterminés, ils sont là. Ils sont là, ils disent qu'ils sont prêts, qu'ils sont prêts, ils ne vont pas abandonner. Tant que les forces, tant que les combats, tant que les militaires, les Français, tous ils ne vont pas quitter. Ils sont là pour donner la vie. Ils s'approchent. On ne sait pas ce qui va se passer. Ils s'approchent à quelque part du Guinée. On ne sait pas. La sécurité aussi. Tant de les repousser. Suivez, nous sommes en direct. C'est pas facile. On ne sait pas qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, il y a une inquiétude aussi au niveau des soldats français. Ils sont en train de parler, on ne sait pas. Voilà, les soldats sont tournés pour que le mal ne se passe pas, pour que le pire ne se passe pas. Ils sont en train de vous dire, ils sont en train de se calmer. Ils sont en train de se calmer. Donc les manifestants demandent de libérer le coin. Alors les Français, ils sont en train de se voir. Regardez, je suis à la part du guerre. C'est pas facile de faire ça sur les lits. Voilà, nous sommes. Comme on dit avec vous, toujours les manifestants sont là, mobilisés pour dire non à l'armée française, pour dire non aux soldats français. Et toi qui sont là, ils ne vont pas avec le courant de toi, ce gars-là, avec le courant des partis du mouvement, ils sont là encore, ils ne reculent pas, ils ne reculent pas.